Bonjour à tous. Donc nous allons encore passer aujourd'hui l'heure avec Émile Soran à parcourir les nouveaux chemins de la connaissance, mais pour aller jusqu'où? Qu'est-ce que c'est la connaissance? La... on dé... Jusqu'au bout peut être dangereuse et malsaine. Parce que, au fond, je, je parle de la vie, n'est-ce pas, c'est pas sur le plan philosophique. La vie est supportable uniquement parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Une entreprise n'est possible que si on a un minimum d'illusions. Autrement, c'est pas possible. Bienvenue donc sur les nouveaux chemins de la connaissance où toute cette semaine c'est Émile Sioran que nous suivons. Émile Sioran, pour qui connaître c'est donc démolir, pour qui détruire c'est agir et c'est même créer à rebours. Mais si, à écouter Emile Sioran, démolir devient vital et si détruire devient une création, alors quelle fonction assigner à, à un entre-deux comme le doute À cet entre-deux qui n'abat rien mais n'élève pas non plus, qui ne propose rien, ne s'engage dans rien mais questionne tout. Là est bien l'enjeu, celui du scepticisme de Sioran. Enjeu sans rime ni raison, enjeu gratuit. Ce qui justifie bien que l'on en parle pendant les 50 prochaines minutes. Et pour cela, je suis ravie de recevoir Michel Jarty, professeur de littérature française à la Sorbonne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. J'ai toujours cru. Cool, ça, c'est mon côté naïf. J'ai toujours, toujours cru cool dans ce que j'ai écrit. C est, c est, ça, c'est pas bien. C'était en contradiction avec ma vision des choses. Mais en fait, tant pis, c'est comme ça. Je, je, je me suis dit, il ne faut pas tricher. Mais au fond, dans l'absolu, si on triche, qu'est-ce que c'est Tout revient en même. La conscience du néant, euh, on peut avoir cette conscience, mais malgré tout, on ne peut pas en tirer toutes les conséquences. Par exemple, il est évident que si on a la conscience du néant, c'est absurde d'écrire un livre. C'est ridicule même. Pourquoi prouver quoi Pour qui pour, pour quoi. Mais, il y a des, des nécessités intérieures qui échappent à cette vision, qui sont C'est plus, plus intime, c'est plus mystérieux, c'est irrationnel. Parce que la conscience du néant n'est compatible avec rien. Avec aucun geste. Il aussi l'idée de fidélité, encore que ce soit. Tout, 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 fout le camp. Mais, ce qu'il y a de mystérieux, c'est cette vitalité qui vous pousse à faire quelque chose. Et peut-être c'est ça la vie, je sais pas pourrais employer des grands mots. C'est qu'on fait des choses auxquelles on adhère sans y croire. C'est un peu près ça. Face à la conscience du néant, s'échappe des nécessités intérieures, une vitalité intérieure. C'était la voix d'Émile Soran dans une archive de 1989 que l'on vient d'entendre, Michel Jarty. Alors, Soran est-il aussi sceptique que l'on le pense, ou qu'on pourrait le, le, le définir, alors même qu'il parle de cette vitalité intérieure oui, alors la question du scepticisme est extrêmement compliquée. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. D'une part, parce que l'acception du terme chez Suran a évolué au fil de l'œuvre. D'autre part, parce qu'il y a une espèce de contradiction superficielle, si vous voulez, entre le ton assez affirmatif, assez péremptoire de ces textes. Je pense par exemple à une phrase Rien ne m'arrachera de l'esprit que le monde est le fruit d'un mauvais démiurge. Bon, c'est tout sauf une affirmation de sceptique. C'est une affirmation qui ne relève pas d'ailleurs de la, de la démonstration, qui est une espèce de certitude intuitive, si j'ose dire. Donc quand on lit Cioran, on est évidemment surpris que le qualificatif de sceptique ait pu lui être attribué. Et on est surpris aussi que lui-même utilise beaucoup dans son œuvre le terme de scepticisme. Alors je crois qu'on peut prendre comme point de départ, c'est un peu d'ailleurs ce que disait Cioran dans le... Passage que vous venez dans l'enregistrement que vous venez de, de donner. On peut prendre pour point de départ un texte qui a été écrit en Roumain, hein, qui s'appelle une étrange forme de scepticisme où il explique très bien, si vous voulez, qu'en quelque sorte, son scepticisme, c'est d'une part une espèce de négativité, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à ce qui est, il y a une espèce d'inadhérence au monde, et ça, c'est quelque chose, c'est un trait de mélancolique, d'ailleurs, euh, par parenthèse, mais c'est quelque chose qu'on va trouver tout au long de son existence. Mais en même temps, dans ce texte qu'il écrit, donc, à l'âge de 22 ans, à peu près, il y a, qui vient contrebalancer cette négativité, il y a ce qu'il appelle une positivité, c'est-à-dire le désir de batailler, le désir de s'affirmer, le désir d'agir, et en même temps il dit que ce sont des affirmations sans système. Donc il y a là une sorte de vitalité, je crois que le, le terme apparaissait dans, dans l'entretien. Oui, une vitalité passé. intérieure. Une vitalité intérieure, un besoin d'agir. Alors ce qui me paraît assez intéressant, c'est que cette vitalité dont il parle dans le texte en roumain, elle va plutôt s'inverser dans les œuvres écrites en français et prendre la forme d'une négation c'est-à-dire d'une négation de ce qui est d'une contestation sarcastique blasphématoire dérisoire etc mais une contestation qui sera si vous voulez euh euh, constante et qui va d'une certaine manière inverser en, en négatif ce qu'il y a de positif. Mais cette contestation, cette négation du réel, cette critique du réel, elle ne va jamais jusqu'au bout, hein, il le disait tout à l'heure, elle ne va jamais jusqu'au bout, donc il est obligé de recommencer, de réécrire, et c'est d'une certaine façon sans doute euh, ce qui explique pour une part euh, l'écriture fragmentaire. Hein. Il y a une espèce de violence dans l'écriture, il dit d'ailleurs très bien, je n'ai jamais écrit une ligne à ma température normale, il y a une espèce de violence qui s'exprime, une violence du corps, c'est une, une écriture qui vient, de, qui vient de sa propre nature, de son propre corps, et ensuite vient le travail de l'écriture qui va évidemment polir euh, cette espèce de fièvre, ce qui fait que quand on lit sur rang, on peut avoir l'impression de, de, de textes qui sont relativement apaisés, alors qu'à l'origine, il y a une réelle, une réelle violence. Ce qui est intéressant, c'est que euh, l'élan ou la vitalité dont parle suran et le scepticisme qu'il a finalement, on peut les opposer, on peut y voir un paradoxe ou une sorte de, de confrontation, mais on peut très bien dire aussi que la vitalité ne procède chez suran que de ce scepticisme, que le scepticisme lui donne une forme euh, et qu'inversement, euh, euh, la vitalité que le, le scepticisme va procéder, va avoir aussi sa force de cette vitalité. Voilà. Alors cette, cette vitalité. Elle répond en effet à ce scepticisme. C'est une espèce de contestation du monde, de refus du monde, mais qui s'exprime de façon spontanée, de façon vigoureuse. Et le terme de scepticisme, donc, va prendre différentes exceptions, puisque. Euh, là, c'est une espèce d'inadhérence au monde, si vous voulez, mais c'est un, ça n'est pas véritablement un nihilisme total. D'ailleurs, il le dit très bien. Oui, il va il faire une distinction, voilà. on le verra, entre négation voilà. et scepticisme. C'est Le scepticisme, c'est bien cet entre-deux qui maintient dans une position de suspens. Donc, à la fois le fait d'être maintenu et d'être suspendu. Donc, de ne jamais entrer dans un état, de ne jamais se décider. Il y a une espèce d'entre-deux qui est assez proche, si vous voulez, de ce qu'on qu appelait autrefois l'ironie romantique. C'est-à-dire que l'ironie romantique, en deux mots, c'est le fait de ne pas être satisfait du monde et de s'échapper de ce monde dans une pensée qui est une sorte de rêverie dont on ne se trouve pas satisfait non plus, ce qui fait qu'on retourne au réel. Et il y a constamment, je trouve chez Sjuran, cette espèce de va-et-vient entre le scepticisme vis-à-vis -vis du monde et la négation. Cette négation, il ne s'en satisfait pas pleinement parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout, et donc il est obligé de revenir à la réalité. J'ai subi un emballement assez considérable pour Bergson. Et alors, c'était très intéressant. Pourquoi je m'en me, suis euh, détaché C'est que je suis arrivé à un moment où j'ai compris que cette philosophie de l'élan vital, qui m'avait tellement passionné dans le temps, il fallait la retourner, pour ainsi dire. Bergson n'a pas vu le, le paradoxe tragique de la vie qui, pour se maintenir, doit se détruire. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'au fond, la vision de la vie qui me conviendrait, ça ne pas celle de l'élan vital. Toujours euh, en, en dilatation. Enfin, c'est plutôt une élan vital qui se retourne contre lui-même. Je suis devenu par la suite, je suis devenu sensible aux aspects négatifs de la vie. Euh, ça veut dire que, je, je vais même dire à un certain moment, n'est-ce pas, que la vie est tout ce qui se décompose. Ça veut dire que, exactement euh, l'envers de l'élan vital. Et je reconnais ce qu'il peut y avoir de, de limité, d'unatéral dans cette vision. N'empêche qu'elle correspond à mon état présent. Enfin, c'est. Pour moi, par exemple, la, la vision la plus juste, en fait, si on peut parler de la vie, c'est celle que, que présente la tragédie. Que, que, qu Il est évident qu'il n'y a plus de vérité dans Macbeth que, que dans n'importe quel bouquin de philosophie. C'est-à-dire, vraiment, je, je crois que tout ce qui n'est pas tragédie est dérisoire, est accidentel. Et, et comme tel, ça, ça intéresse la mairie ou l'histoire littéraire, n'est-ce pas, ou je sais quoi, n'est-ce pas Je pose la question à tous ceux qui ne portent pas de hier. Y a-t-il quelque chose au monde dont on puisse ne pas douter Si oui, j'aimerais bien qu'on me l'indique, car j'ai vainement cherché partout, je n'ai trouvé aucun point d'appui solide. Je ne pense pas ici aux doutes calculés, aux doutes méthodiques ou à d'autres niaiseries de ce genre. Je pense aux doutes organiques, intimes. Le doute rationnel a sa source dans une exagération particulière des procédés analytiques, qui, en décomposant un objet en ses éléments simples, annulent implicitement son individualité. C'est un doute strictement cérébral, issu de la spéculation pure et des incertitudes inhérentes au problème de la connaissance. En quoi engage-t-il la subjectivité En rien, parce qu'il n'a pas de conséquences, parce qu'il ne tourmente pas. La philosophie nous parle avec beaucoup de suffisance professorale des diverses formes du doute méthodique chez les grands philosophes, et n'oublie pas de faire l'éloge de ces procédés modestes et réservés. Or, le doute de ce genre ne m'inspire ni respect ni sympathie, car il n'empêche pas nos philosophes d'avoir la digestion facile et le sommeil léger. Le doute purement spéculatif, de nature purement formelle, est éphémère et guère intéressant. Le seul doute impressionnant et celui qui vient d'une profonde angoisse organique, d'une antinomie dans les racines de l'être. Michel Jarty, je viens de lire le texte que vous évoquiez tout à l'heure, une étrange forme de scepticisme qui date de 1933, qu'on trouve dans le recueil « Solitude et destin » aux éditions Gallimard. Et juste avant, on a entendu euh, la voix euh, d'Émile Sioran lui-même, qui, c'était en 1950, dans « Des idées et des hommes », un entretien avec Jean Amrouche. on l'entendait parler de l'élan vital de Bergson. Ce qu'on entend dans ces deux éléments, c'est l'opposition de Sioran au doute tel qu'il est exprimé par les philosophes, à savoir un doute calculé, méthodique, analytique, rationnel. Lui, son doute est organique. Son doute est organique. Alors, ce qui est intéressant, c'est la formule qu'il utilisait tout à l'heure les gens qui se retournent contre lui-même. Je crois que c'est une formule qui résume assez bien une partie de sa pensée. D'autre part, ce qui est assez remarquable, c'est cette distance prise avec Bergson, cette distance aussi dans le texte que vous venez de lire qui est prise par rapport au au philosophe hein, en général philosophe en général la voilà. question alors, précisément. Alors, ce qui est un peu mystérieux alors là bon c'est un texte traduit du roumain donc ça pose évidemment le problème de savoir ce qu'était véritablement l'original cette expression d'antinomie des, des racines de l'être est une expression qui, il faut bien le dire est assez obscure mais je crois qu'elle s'explique d'une certaine manière par euh, une sorte d'aveu qu'il fait dans les cahiers où il dit que à une période qu'il ne fixe pas précisément, qui est une période de l'enfance ou de l'adolescence, quelque chose s'est brisé en lui, qu'il y a eu une espèce de fêlure de l'être. Et quand on lit ses cahiers, ce qui est intéressant de voir, c'est que il parle de son enfance roumaine comme d'une espèce de paradis perdu. On a si entendu si... hier la voix de Suran raconter, effectivement, voilà. à 10 ans il déménage de son... il part de son village roumain dans les Carpates pour aller dans la ville de Sibiu. Voilà. Et effectivement, c'est terrible pour lui, c'est la fracture. Voilà, c'est la fracture et alors, tout ça a été évidemment très mystérieux puisqu'on ne sait rien d'autre que ce que Sorin dit lui-même, ce qui est assez peu. Mais je crois qu'il y a une espèce de fêlure originelle qui fait que euh, une sorte de mal-être va se faire jour, qui est très largement, je le disais tout à l'heure, mélancolique. Et c'est à partir de là que va euh, naître sans doute cette espèce d'impossibilité d'adhérer au monde, de croire en la réalité. Et en même temps, la même impossibilité se découvre de considérer que les choses soient de pures apparences. Et donc, c'est ce qui justifie ce système de va-et-vient ou ce que j'appelais tout à l'heure. Euh, ironie romantique et c'est très important je crois pour l'œuvre littéraire de Surand parce qu'on a parfois comparé Suran à tort à mon avis au moraliste classique hein, à cause d'un certain pessimisme, de la forme brève, d'un certain poly du texte euh, en réalité c'est une écriture du corps c'est une écriture du mal-être. C'est intéressant ce qu'on a entendu dans le texte que j'ai lu. C'est-à-dire qu'il s'oppose au doute méthodique. On, on pense tout de suite à Descartes. Voilà. Euh, mais en fait, le, le doute a été exploré par plein d'autres philosophes et d'autres manières que sous la forme d'un doute méthodique et même méthodologique qui permettrait de parvenir au moins à une certitude. Oui. Euh, par exemple, Pascal, il cite souvent Pascal, mais même Pascal n'est pas sauvé par Sioran. Non. Qu'est-ce qui manque à Pascal pour être un véritable sceptique comme Sioran euh, bah ce qui lui manque, c'est dire, l'absence de foi, d'une certaine façon. Hein Donc il faut croire, en fait, dans son scepticisme. Oui, tout à fait. Alors, il a utilisé <coughs> ce terme de scepticisme, d'ailleurs, de façon assez intéressante dans un entretien à propos de la religion. Hein Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là encore, il y a une ambivalence. Il dit, euh, il dit je crois que c'est dans les cahiers, euh, Dieu est même s'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a une place de Dieu, et même si cette place est inoccupée, elle permet quand même de penser une sortie du monde. Or, cette sortie du monde, cette sortie de la souffrance du monde, c'est quelque chose qui est très important et qui apparaît de plusieurs manières chez Sioran, chez en particulier par la pensée du suicide, hein, qui est tout à fait récurrente. Et quand je dis la pensée du suicide, justement, ce n'est pas le suicide. Alors, il dit dans un entretien, de façon assez amusante, on devrait dire aux enfants dans les classes, ne, ne soyez pas désespérés, vous pouvez vous tuer à tout moment. Donc l'idée du suicide, c'est une façon de sortir du monde et en même temps de ne pas accepter le suicide et donc de revenir à la réalité de façon plus apaisée. Donc il y a des sorties euh, de la souffrance du réel qui apparaissent. Il y a cette idée donc du suicide qui ne s'est jamais accompli. Hein. D'ailleurs, Surrand euh, dit de façon assez assez drôle l'unique désir qui était mon souci, euh, c'est la mort, euh, c'est de mourir. Je lui ai tout sacrifié, même la mort. Hein donc il n'a pas euh, accompli ce geste d'aller jusqu'au bout. Et puis alors il y a une autre sortie. Euh, qui s'opère alors cette fois ou qui se découvre dans les, dans les cahiers c'est l'extase il dit avoir eu l'expérience de l'extase mais là encore une extase inaboutie c'est-à-dire qu'il ne parvient pas au tout des, des mystiques son extase est une tentative de sortie exactement comme la pensée du suicide et puis euh, il y revient et puis il y aura une troisième, alors vers la fin de sa vie, c'est ce qu'on découvre de façon très intéressante aussi dans les cahiers, il y aura une, façon, une troisième façon de sortir de la souffrance d'être et de la souffrance d'exister, et c'est d'une certaine façon la pensée du vide. Il, il, il parle par exemple de la conscience de ne pas penser, ce qui est une formule étrange, puisque s'il y a conscience, il y a pensée, mais en même temps cette pensée, c'est celle de la non-pensée. Il parle de la même manière de la jouissance de ne pas naître. Donc pour éprouver la jouissance de ne pas naître, il faut là encore être né, mais en même temps, il y a ce, ce, ce sentiment du vide qui renvoie d'ailleurs très profondément à une idée, euh, à mon avis, tout à fait centrale chez Suran qui est que, puisqu'il parle de chute dans le temps, hein, c'est un titre de ses livres, la chute dans le temps, c'est une pensée de l'histoire qui considère que la nature humaine, en quelque sorte, a quelque chose de végétatif. Le vrai bonheur, c'est justement de ne pas penser, de ne pas avoir de conscience. Et à un moment, il construit une espèce de fable du monde, si vous voulez, ou de fable de l'histoire, à un moment, il y a eu une sorte de chute, mais non pas au sens, au sens chrétien, mais au sens... Euh, euh, propre, on est tombé dans le temps, c'est-à-dire que l'homme a voulu agir, il a voulu se cultiver, il a voulu travailler, etc., tout par orgueil, et il est tombé dans une sorte de décadence, je crois que c'est le mot que vous utilisiez tout à l'heure, et cette décadence euh, va devenir justement, assez curieusement, associée au scepticisme. C'est-à-dire dans sa pensée de l'histoire, il considère que le civilisé qui ne croit plus dans les valeurs de sa propre civilisation, parce que cette civilisation est en décadence, ce civilisé est un sceptique. Et donc il lui oppose à ce moment-là, il y a un chapitre qui s'intitule Le sceptique et le barbare, il lui oppose la figure du barbare, qui est naturellement du côté de ce vitalisme, hein, qui est si important chez Suran en particulier pendant la période roumaine, et le barbare va revigorer, si j'ose dire, la civilisation, ce qui donne lieu à une pensée de l'histoire qui est une pensée cyclique en quelque sorte. Hein. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on sent bien qu'il y a... Une sorte de, j'allais dire, de tendresse, le mot n'est pas approprié, mais une sorte de bienveillance à l'égard de la figure du barbare. On va en Et... reparler, Michel Jarty, de la figure du, du barbare. On va déplier tout ce que vous avez dit parce que vous avez tracé en fait le parcours euh, de la notion de scepticisme chez Sjurand dans son œuvre. Mais la question aussi qu'on peut poser à Sjurand à partir du moment où il postule, comme on l'a entendu dès ses premiers textes, que le scepticisme, le doute est quelque chose d'organique, d'existentiel et même d'inné, il le dira dans l'inconvénient d'être né. Le scepticisme, on est. Sceptique, euh, on est NAIT euh, sceptique, sceptique de naissance, on ne peut rien y faire. Donc le scepticisme n'est pas un choix. Et finalement, en fait, on sort du monde malgré nous. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle justement l'usage de ce terme de scepticisme dans l'œuvre de Surin est problématique, parce que il y a en effet ce doute organique, ce scepticisme organique, hein, qui est quelque chose de, de quasiment physique et quelque chose, il faut y insister, de subi. Hein, ça n'est pas du tout un choix. C'est une maladie C'est une maladie. Il parle de l'amour morbide de la vie. Hein, C'est-à-dire qu'il aime la vie, mais en même temps, il l'aime de façon maladive parce que la vie fait souffrir, le réel le fait souffrir, et donc il voudrait en sortir, d'où justement ces espèces de poussées de négation. Mais en même temps, quand il emploie le terme de sceptique à propos du civilisé, on est dans une acception qui est quand même tout à fait différente. Oui, c'est quelque chose de. Euh, le phénomène historique, il le dit d'ailleurs dans La chute dans le temps, il dit Je me penche sur le scepticisme comme phénomène historique. Alors voilà. qu'au début, voilà. le, 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 le scepticisme est une posture. Euh... Je ne dirais pas posture parce que sinon, il le, condam le condamnerait, mais euh, du moins une, une attitude, une démarche, non pas choisie, mais qui est métaphysique et proprement existentielle. Voilà, tout à fait. Et alors, ce qui complique encore les choses, c'est que dans les cahiers, vers la fin de sa vie, il utilise le scepticisme dans une acception encore différente, c'est-à-dire qu'il considère que le scepticisme est une forme de sagesse. Et que c'est un antidote à sa propre souffrance. Et c'est là qu'on retrouve, si vous voulez, cette pensée du vide, hein, la, la jouissance de ne pas naître. Et il y a une espèce de quête du vide, de quête même d'un état quasiment végétatif, qui serait le retour à l'origine et le retour à ce paradis perdu que j'évoquais. Donc on a une espèce de glissement sémantique qui est quand même assez troublant. Lui-même retourne le scepticisme. De la même manière que, que Sioran avait retourné l'élan vital contre lui-même, il va retourner le scepticisme d'une maladie à son remède. Voilà, exactement. 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 Dans l'inconvénient d'être né sur on à cette très belle phrase, et j'aimerais que peut-être vous nous aidiez à la, à la comprendre, Michel Jarty, il dit ⁇ Un écorché érigé en théoricien du détachement, un convulsionnaire qui joue au sceptique ⁇ Comment vous comprenez cette phrase oui, alors, bon, c'est assez, assez compliqué parce qu'il y a le, le terme de théoricien déjà qui est assez gênant parce que justement, Sioran ne fait pas de théorie. Hein. C'est un. Alors, comment le qualifier Il se qualifie lui-même en allemand de denker, hein, de penseur privé. Ce qui est d'ailleurs quelque chose de très intéressant par parenthèse parce que justement, une des grandes différences avec les moralistes classiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est que son œuvre est tournée vers lui-même. Hein. Et donc, c'est une œuvre privée. C'est une œuvre qui naît d'un besoin quasiment organique, hein, vous le disiez. Et on pourrait dire, on pourrait lui prêter les mots qu'on qu qu trouve au, dans la vie au lecteur de, des essais de montagne, hein, je ne me suis assigné aucune fin que domestique et privée ». D'une certaine façon, Sciorant, c'est cela. Et il est assez intéressant de voir que d'ailleurs, dans les cahiers... Il propose quantité d'affirmations qui sont des affirmations rigoureusement personnelles à la première personne et on retrouve dans certains recueils de la fin les mêmes euh, pensées mais en quelque sorte, si j'ose dire, impersonnalisées ou dépersonnalisées. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'abstraction ou de dépersonnalisation qui est totalement artificielle. Et donc cette phrase, un écorché érigé en théoricien du détachement, euh, est-ce qu'il en fait il parle de lui-même ou de l'image que lui-même, euh, l'image qu'on a euh, de lui Et quand il dit un convulsionnaire qui joue au sceptique. C'est très paradoxal de dire ça. On dirait que lui-même, en fait, est-ce qu'il joue au sceptique Est-ce qu'en fait, lui-même n'a pas, euh, comment dire, occupé euh, la pose du sceptique et lui-même s'est caricaturé en sceptique Bah oui, il s'est caricaturé. Alors, ce qui est intéressant, c'est le convulsionnaire. Euh, je ne sais plus la phrase exacte. Un convulsionnaire disiez. qui joue au sceptique. Voilà, un convulsionnaire qui joue au sceptique. On voit très bien le passage, si vous voulez, euh, qui est celui de l'écriture même de suran c'est-à-dire d'un malaise organique convulsionnaire qui, en quelque sorte, prend la pose du sceptique et, par l'écriture, euh, renverse euh, du côté du scepticisme quelque chose qui est beaucoup plus violent. Et c'est donc l'opposition que je disais tout à l'heure qu'on peut avoir ou qu'on peut découvrir entre le caractère extrêmement travaillé, extrêmement lisse, extrêmement poli des textes et l'origine de ces textes, qui est une origine convulsionnaire, pour reprendre le mot de surandre. thank mm -hmm. you Écoutez, France Culture, il est 10h passé de 25 minutes. Bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance, où cette semaine festive se fait néanmoins pleine de doutes en compagnie d'Émile Sioran. Et aujourd'hui, c'est donc bien de son scepticisme de naissance dont nous discutons avec Michel Jarty, professeur de littérature française à la Sorbonne, à qui l'on doit notamment une conférence sur le scepticisme de Cioran, disponible sur le site de France Culture. Et puis dernièrement, un ouvrage sur la critique littéraire en France, Histoire et méthode 182000, disponible aux éditions Armand qu'est-ce que la chute sinon la poursuite d'une vérité et l'assurance de l'avoir trouvée la passion pour un dogme l'établissement dans un dogme le fanatisme en résulte tard capital qui donne à l'homme le goût de l'efficacité de la prophétie de la terreur l'âpre lyrique par laquelle il contamine les âmes les soumet les broie ou les exalte n'y échappent que les sceptiques, ou les fainéants et les esthètes, parce qu'ils ne proposent rien, parce que, vrais bienfaiteurs de l'humanité, ils en détruisent les partis pris et en analysent le délire. Je me sens plus en sûreté auprès d'un piron que d'un saint Paul, pour la raison qu'une sagesse à boutade est plus douce qu'une sainteté déchaînée. Dans un esprit ardent, on retrouve la bête de proie déguisée on ne saurait trop se défendre des griffes d'un prophète. Que s'il élève la voix, fût-ce au nom du ciel, de la cité ou d'autres prétextes, éloignez-vous-en. S'attire de votre solitude, il ne vous pardonne pas de vivre en deçà de ses vérités et de ses emportements. Son hystérie, son bien, il veut vous le faire partager, vous l'imposer et vous défigurer. Un être possédé par une croyance et qui ne chercherait pas à la communiquer aux autres, est un phénomène étranger à la Terre, où l'obsession du salut rend la vie irrespirable. Michel Jartion vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacopin, un extrait du précis de décomposition d'Émile Soran, bien sûr, paru en 1949. C'est son premier texte écrit en français. Il fait, il dresse dans ce texte, le portrait du fanatique qui est, l'opposé, l'inverse, le strict inverse de, du sceptique. Et effectivement, le sceptique pose la question de la croyance. Oui, alors, <coughs> d'une certaine façon, ce qui est intéressant, c'est <coughs> qu'il revient à l'article que nous évoquions tout à l'heure, de 1933, où Une étrange forme de une scepticisme. Forme, où il disait qu'à côté de la négativité sceptique, il y avait la positivité d'un engagement, et d'un engagement brutal, d'un engagement batailleur, etc. Et ça, c'est déjà la figure du fanatique. Alors, ce qui, est, ce qui me gêne un peu dans ce texte, c'est que suran euh, a l'air de prendre ses distances vis-à-vis -vis du fanatique et euh, de faire une sorte, tout de même, d'éloge de, de la douceur, alors qu'il y a d'autres textes où il dira plutôt, euh, plutôt l'inverse. Et c'est le problème, si vous voulez, des tensions conceptuelles, si j'ose dire, qui, enfin conceptuelles et trop abstraites, mais des tensions qu'il peut y avoir dans l'œuvre de Sauron entre les époques et entre les entre les textes, il y a des, des espèces de glissements et des espèces de variations. Ce qui est aussi intéressant dans ce texte, c'est euh, effectivement, comme je le disais, la question de la croyance. C'est-à-dire que qu'il donne une, un portrait peut-être aseptisé du sceptique euh, n'empêche pas que on peut se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qui est intéressant dans la position sceptique au-delà du fait d'être dans un état de suspension. L'idée, c'est aussi de questionner la croyance elle-même. C'est-à-dire, non pas, l'important n'est non pas de croire, c'est de savoir que l'on croit. Or, le sceptique a l'air d'être le seul à savoir. Ce n'est pas grave de croire en Dieu, euh, peu importe euh, qu'il existe ou pas. L'important est de savoir qu'il s'agit encore d'une croyance. Et ça, là est la véritable posture du sceptique. Pas de ne croire en rien, mais de savoir qu'il croit. Oui, alors la, la situation est assez ambiguë parce que justement du point de vue de la foi, du point de vue de la croyance, il y a toujours ce que j'appelais cette, cette place vide, c'est-à-dire que euh, je perçois, si vous voulez, la question comme euh, une possible sortie justement du scepticisme douloureux. À partir du moment où il y a une inadhérence à ce qui est, à ce qui est et que l'on souffre d'exister, eh bien, justement, il y a une sorte d'ouverture, si vous voulez, vers, je ne sais pas comment il faut l'appeler, puisqu'il n'y a pas de croyance véritable, mais d'ouverture vers une sorte de, de transcendance qui serait néanmoins une espèce de sortie possible. Et c'est quelque chose qui apparaît de temps en temps de façon assez discrète dans l'œuvre de Suran. Et là, dans ce texte, le fanatisme, comment vous, comment vous voyez ce, ce fanatisme qui est possédé par la croyance quelle, euh, quelle distance pourrait mettre le sceptique ou le scepticisme dans cette croyance Et là, paradoxalement aussi, le scepticisme deviendrait une forme de méthode. Une forme de méthode de, je ne sais pas, puisqu'il n'y a, a jamais de, de systématisation, de conceptualisation, parce que tout est lié à l'instant et tout est lié à l'organique, comme vous disiez tout à l'heure. Hein. Et je pense que c'est justement ce qui empêche de, Sioran d'accéder à une méthode. Et c'est ce qui l'empêche justement d'avoir une œuvre qui soit totalement cohérente, si j'ose dire, de bout en bout, qu'il qu puisse y avoir des variations. Parce que ces variations, elles sont précisément organiques. Et on, on voit en particulier que dans la dernière période, il y a l'évolution vers une sorte de sagesse, hein, c'est le terme qu'il emploie, et c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le scepticisme devient un antidote, et les choses évoluent de telle sorte, d'ailleurs. Sur si on le reconnaît lui-même vers la fin de sa vie, il a de plus en plus de mal à écrire, précisément parce que l'écriture à l'origine naissait d'un besoin quasiment physique, naissait d'une température excessive. Et une fois qu'il est apaisé, une fois qu'il est apaisé, l'écriture devient beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, les, les derniers textes sont plus, sont plus rares. Et comment comprendre d'ailleurs de la même manière ce parallèle entre fanatisme et scepticisme où euh, le fanatisme est déchiré par sa croyance et le scepticisme est déchiré par son incroyance, mais néanmoins tous les deux trouvent dans, en Dieu, en la croyance ou en l'incroyance une forme de remède. Oui, c'est qu'il y, y a le scepticisme n'est jamais total, il n'est jamais assumé, puisque s'il était totalement assumé, il irait jusqu'à un nihilisme, et le fanatisme n'est jamais total non plus. Et donc il y a toujours ce, ce basculement et cette euh... alors le fanatisme on le retrouve d'une certaine façon si vous voulez dans ce que j'appelais tout à l'heure cette négation jubilatoire que l'on a dans dans l'œuvre il y a là il y a là quelque chose de tout à fait de, de beaucoup fait, plus déchaîné en de fait, tout à fait déchaîné. Ce qui est même inattendu au, au fur et à mesure de la vie de Sauron en fait c'est euh, ça sent ça sent dans ses textes c'est ce que vous avez dit dans l'évolution de, de, de son œuvre c'est que finalement même le 7-6 au départ qui est une sorte d'élan vital de puissance. Euh, D'ailleurs, à la fin du texte dont on a parlé, une étrange chambre de scepticisme, il parle d'une morale tragique. Oui. Il espère une morale tragique propre à la modernité où le scepticisme euh, aurait une sorte de, de force de flamme et finalement lui aussi a perdu la flamme du scepticisme. Finalement le scepticisme s'est retourné contre lui, il a épuisé sur rang. Le scepticisme s'est retourné contre lui et d'une certaine façon il dit, je cite de mémoire à peu près, il dit je suis de, dans les cahiers, il dit à la fin de sa vie je suis devenu mon disciple. C'est-à-dire qu'à force d'avoir prôné le scepticisme, ce scepticisme est devenu une forme de sagesse, une forme de tranquillité, une forme d'apaisement. Vous parliez tout à l'heure Michel Jarty du rapport à Dieu, de ce parallèle entre scepticisme, euh, entre le doute et Dieu, entre le doute et la croyance. Dans ses entretiens avec Sylvie euh, Jadot euh, qui date de 1988, il dit ceci. Dieu signifie la dernière étape d'un cheminement, point extrême de la solitude, point insubstantiel auquel il faut bien donner un nom, attribuer une existence fictive. Il remplit en somme une fonction, celle du dialogue. Même l'incroyant aspire à converser avec le seul car il n'est pas facile de s'entretenir avec le néant. Le bouddhisme, quant à lui, élude cette difficulté puisqu'il n'est pas fondé comme le christianisme sur le dialogue. Dieu ne lui est pas nécessaire. Seul compte la conscience de la souffrance, cette forme de spiritualité est la plus acceptable pour une humanité hantée par sa ruine, plus ou moins imminente. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu est d'une certaine façon par définition l'anti-néant. Et donc, euh, comme le néant n'est pas supportable, Dieu est une pensée nécessaire. Même en dehors de la foi. Mais en même temps écrasante. Parce écrasante. Que, et le plein est écrasant. Et la sortie, et c'est là où en fait le scepticisme devient remède ou sagesse, c'est quand elle prend cette forme euh, du bouddhisme. Oui. Quand elle devient un pur renoncement. Voilà. Pour autant que nous suivons le mouvement spontané de l'esprit et que, par la réflexion, nous nous plaçons à même la vie, nous ne pouvons penser que nous pensons. Dès que nous y songeons, nos idées se combattent et se neutralisent les unes les autres à l'intérieur d'une conscience vide. Cet état de stérilité où nous n'avançons ni ne reculons, ce piétinement exceptionnel, est bien celui où nous conduit le doute et qui, à mains égards, s'apparente à la sécheresse des mystiques. Nous avions cru toucher au définitif et nous installer dans l'ineffable. Nous sommes précipités dans l'incertain et dévorés par l'insipide. Tout se ravale et s'effrite dans une torsion de l'intellect sur lui-même, dans une stupeur rageuse. Le doute s'abat sur nous comme une calamité. Loin de le choisir, nous y tombons. Et nous avons beau essayer de nous en arracher ou de l'escamoter. Lui ne nous perd pas de vue, car il n'est même pas vrai qu'il s'abatte sur nous. Il était en nous, et nous y étions prédestinés personne ne choisit le manque de choix ni ne s'évertue à opter pour l'absence d'option vu que rien de ce qui nous touche en profondeur n'est voulu libre à nous de nous inventer des tourments comme tels ce ne sont que poses et attitudes ceux-là seuls comptent qui surgissent de nous malgré nous ne vaut que l'inévitable ce qui relève de nos infirmités et de nos épreuves de nos impossibilités en somme Que, en fait, j'ai une sensibilité anxieuse, enfin, une sorte d'anxiété native. Il est évident que j'ai projeté cela dans ma vision de l'histoire. Il est évident que, moi, disons, en tant que comète ma sensibilité enfin, primitive s'est exaspérée à cause de ce phénomène. Mais ma vision du monde n'est pas due à ma condition de métèque. Je peux dire que cette condition de métèque a, a, a donné un peu plus de poids, un peu, un peu plus de, de, de dramatique, en enfin, fait, plus d'intensité. À une vision que j'aurais eu de, 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 de toute façon n'importe où. Seulement, je n'aurais pas eu, je, je n'aurais pas atteint cette anxiété, si ne serait pas transformé en des espoirs peut-être. Sur le plan théorique, je, je peux me considérer séparé ou, ou comment dirais-je, arraché à tout. N'empêche que pratiquement, il y a les concessions, que ce soit de la vitalité ou de la sensibilité qui n'est pas éteinte, qui vous fait faire des, des, des compromissions. Mais théoriquement, je me considère un homme complètement détaché de tout, et je me comparais volontiers, enfin sans présomption d'ailleurs, avec un moine bouddhiste qui enterrait les boulevards. Je suis ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, un sceptique violent. J'en prie justement cette image de moine bouddhiste, en sens que lucidement, je me considère détaché de tout, mais j'ai affirmé en même temps que pratiquement je ne le suis pas. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est justement euh, lorsqu'il utilise le mot de métèque. et qu'il. Euh, une archive de 1950. Oui, voilà, et qu'il donc euh, relativement euh, ancienne. Enfin, Surant doit avoir une quarantaine d'années à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que il se pense comme un sujet séparé. Euh, c'est quelque chose de constant, et il y a une formule d'ailleurs qui va dans ce sens où il dit que le mélancolique ne se soucie pas de ses semblables et il est vis-à-vis -vis de la communauté française d'ailleurs il, se euh, il se sent aussi séparé euh, le fait d'écrire en français le français pour lui est une langue d'apatride plus qu'une langue d'adoption il reste toujours à la marge de la société. et même dans les textes qu'il écrit, on, on voit très bien qu'il y a une distance par rapport à autrui et qu'il il, il est toujours à la marge. Il, parfois il se pense au-dessus, parfois il se pense au-dessous. ça c'est une autre question qui est assez, assez compliquée. mais en réalité, c'est un, un sujet séparé. ce qui, encore une fois, j'insiste sur ce point parce qu'à mon avis, il y a eu un malentendu fait que il ne s'inscrit absolument pas dans la lignée des moralistes classiques qui, eux, appartiennent pleinement à une communauté. Humaine. Précisément parce que le doute est écrit dans dès ses premiers textes, précisément parce que le doute sépare. Voilà. Ce qui fait qu'il ne peut être dans aucune communauté, qu'elle soit politique ou même intellectuelle. Le doute sépare et la souffrance aussi sépare. Il y a une sorte de repli sur soi. On a aussi, juste avant euh, cet archive que, que vous venez de commenter, Michel Jartier, on a entendu un extrait de ce texte dont on parle depuis le début de l'émission qui est La chute dans le temps, oui. qui date de 1964. On entend. La distinction que fait Sioran entre euh, la, le scepticisme qui n'est jamais voulu, qui est toujours subi, ça, on le dit depuis le début, mais la différence dans ce texte, dans la chute dans le temps, c'est que Sioran va proposer peut-être l'idée d'aller jusqu'au bout du scepticisme avec la figure du barbare. Alors, Comment ce barbare, en fait, euh, à la différence du fanatisme, d'ailleurs, à la différence du fanatique, pourquoi ce barbare, lui, parvient à aller jusqu'au bout, parvient à, à accomplir, à réaliser ce que le sceptique, par nature, parce qu'il est sceptique, ne peut pas accomplir Parce que le barbare est du côté de la vitalité. Et le sceptique, en tout cas dans ces textes-là, dans ces textes de historique, côté... il est du côté de l'étiolement, si j'ose dire. Il est du côté de l'affaissement, de l'évanescence presque. Et donc c'est le barbare qui va venir re redonner vie à une civilisation exténuée. Alors comment, comment Sioran peut soutenir un tel paradoxe du barbare qui redonne vie c'est quelque chose d'assez étrange. Alors il faudrait remonter justement aux sources roumaines. Hein, et euh, il dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, euh, une étrange forme de scepticisme, il dit que la vie était, son, je crois, son idole de l'époque. Hein. La vie avec un grand V, c'est-à-dire l'énergie. Et euh, c'est ce qui a motivé d'ailleurs euh, son engagement du côté de la garde de fer, par exemple, contre le régime parlementaire, qui était un régime, à ses yeux, d'où où la vie avait disparu, justement. Alors ça, c'est une constante de la, de la pensée de même s'il a eu tendance sans doute à masquer ce côté, euh, ce côté violent dans ses œuvres écrites en français, il y a quand même des passages qui sont assez troublants sur le fait que euh, l'énergie peut être mauvaise, mais en même temps il n'arrive pas, ou la, vie, la vitalité, le vitalisme peuvent être mauvais, peuvent être du côté du mal, mais en même temps il n'arrive pas tout à fait à les condamner. Voyez, il, y a, il y a cette constante dans sa, dans sa pensée, je crois. Mais qu'est-ce qui est du côté, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas complètement à les condamner C'est une forme de séduction de sa part, c'est une forme de, de, de revendication, euh, de en disant que c'est quelque chose de naturel. Euh, qu'est-ce qui se joue, en fait, avec cette fascination pour le doute et dont il, sans en faire une méthode, il, dont il passe son temps à faire l'éloge, même quand ça devient le, 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 le signe de l'étiolement d'une civilisation. Et même quand ça justifie le fait euh, de détruire une civilisation. Oui, il dit d'ailleurs, je crois que vous citiez la formule tout à l'heure, détruire c'est agir d'une certaine façon. Qui, et... au tout début aussi dans, qui apparaît dans la chute dans le temps et au tout début euh, du Le démon est-il sceptique du Voilà. Chapitre, qui ouais ça. Ouais. et il y a une sorte d'impulsivité positive en quelque sorte dont il a toujours plus ou moins la nostalgie. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Abandonner, euh, tout détruire, euh, tout euh, euh, ne plus croire Et ne plus croire, en fait, c'est ça aussi l'ambivalence du scepticisme. D'une certaine façon, ce serait un horizon, si vous voulez. Euh, il, il le dit d'ailleurs, le, le, le nihilisme total serait une solution. Mais en même temps, euh, on, on peut, il, il le dit assez clairement, si je, ne, si je niais tout, je pourrais parvenir à une certaine sérénité. Mais dans ce cas-là, on est malheureux à jamais. Parce que reste, Parce qu est... reste néanmoins ce qu'il appelle toujours cet amour morbide de la vie. Donc on ne peut pas détruire ce, ce qui existe totalement, on ne peut pas le nier totalement, sauf à ouvrir à une souffrance euh, autre. Vous voyez Et donc il y a en quelque sorte cet entre-deux, encore une fois, entre la souffrance d'exister et, et de, de, de peu adhérer au réel, et le désir de nier, désir qui pourrait conduire justement à euh, un détachement, mais ce détachement serait lui aussi une souffrance. On est en train de faire finalement, Michel Jarty, une distinction entre scepticisme et nihilisme que Seul Sioran euh, a si bien théorisé. Euh, bon, je. je... Ne pas employer ce terme-là contre lui, mais finalement, on comprend parfaitement ce que c'est que de nier et de se situer encore du côté de l'être. C'est-à-dire que pour nier quelque chose, il faut déjà postuler qu'il existe et oui. qu'il est, alors que le sceptique va même se demander ce qui existe jusqu'à oui. lui-même. Oui. Alors, la négation chez Sûrand, justement, je le disais tout à l'heure, elle est jubilatoire parce qu'elle est, elle est temporaire. On, on nie momentanément, on se délivre d'une souffrance et puis ensuite on revient à l'existence. Alors que le nihilisme total, lui, ne serait pas du tout jubilatoire, il serait totalement destructeur et à ce moment-là, il ouvrirait à une libération par rapport à la réalité qui serait tellement grande que cette libération deviendrait elle-même une souffrance. Donc il y a toujours ce, ce, mou ce mouvement de, de bascule entre l'un et l'autre au tout début de l'archive qu'on a entendu, euh, qui date donc de 1950 euh, émile sioran dit que c'est son anxiété euh, qui lui a permis qu'il a projeté sur, la, sur sa conception de, de l'histoire euh, mais ce qui est très ambivalent chez lui, c'est cette manière de dire que finalement l'histoire euh, est une forme de chute, pas seulement au sens chrétien du terme, mais l'homme a pris conscience de lui-même, il est devenu sceptique, et en même temps, être dans l'histoire et être sceptique empêche d'agir dans l'histoire. C'est-à-dire que, comment se fonde cette théorie de l'histoire de... si tant est qu'il y a une théorie, pardon, mais en tout cas cette conception de l'histoire chez Cioran, qui serait un, 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 un incessant... Euh, une incessante oscillation entre euh, agir, être anxieux dans l'histoire et ne pas agir dans l'histoire. À l'origine, il y a ce qu'il appelle le mauvais des murs, c'est-à-dire l'idée, la, la conviction même, qui est une, une vraie certitude chez lui, que le monde a été créé par un dieu mauvais. Et donc, on est dans l'irrémédiable, au sens propre du terme, c'est qu'il n'y a pas de remède à la, à la, à la société et à l'histoire et à la civilisation telles qu'elles se sont déroulées. D'où justement cette, euh, cette histoire, si vous voulez, cyclique euh, que, que je disais tout à l'heure, euh, qui permet néanmoins de sortir de l'évanescence de la civilisation de temps en temps et de redonner de la vie mais ce mouvement est, ce mouvement est cyclique parce que de toute façon la solution est sans remède donc, il y aura toujours un retour dans un sens ou dans l'autre, mais il n'y aura jamais de véritable solution. Et d'ailleurs, il n'y a pas de pensée je sais pas, chez, du progrès chez Surand. Hein. Au contraire. Au contraire, hein. c'est un mot vide. Et d'ailleurs, au tout début de la chute dans le temps, il se demande mais pourquoi euh, finalement croit-on encore dans ce progrès qui ne mène à rien Mais parce que finalement, tout est décadent pour lui. Tout est décadent. -ce que, si c'est un cycle, ça veut dire qu'après la décadence, il y a quand même du progrès. Comment arrive-t-il à affronter cette difficulté alors Eh bien par la revitalisation du barbare qui prend une forme positive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup plus critique, je trouve, dans l'ensemble à l'égard de la civilisation, à l'égard du civilisé. Il a des mots beaucoup plus, plus durs, peut-être, qu'à l'égard du, du, du barbare. Lui-même, d'ailleurs, se ressentant sans doute comme une espèce de barbare dans la civilisation. Hein. Par son, goût de la, par son goût de la négation, par son goût de la provocation. Il y a, il y a quand même dans ces textes toute une énergie qui se développe et qui se développe contre le monde tel qu'il est. Or, le monde tel qu'il est, c'est le monde du XXe siècle, et c'est le monde civilisé, et c'est le monde de la démocratie. On a aussi entendu dans l'archive et dans le texte que j'ai lu tout à l'heure cette figure de, de Bouddha, qui est peut-être le sceptique par excellence, ou du moins celui qui a renoncé, euh, qui, a la con, qui a conscience, qui explore ce paradoxe pleinement, à savoir d'avoir conscience, de ne plus avoir conscience, oui. qui est parvenu grâce à la conscience, en tout cas à un état euh, d'inconscience. Malgré tout, si Oran, euh, à travers toutes les archives qu'on a entendues aujourd'hui, ne... ne le dit très clairement, il ne parvient pas à être détaché de tout. Il continue malgré tout à écrire, euh, il ne sera jamais Bouddha, c'est une entreprise impossible pour lui. Oui, 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 il, il, ce qu'il aurait souhaité, c'est l'indifférence totale. Or, cette indifférence totale, il n'y il est jamais parvenu. Il y est parvenu par moment, grâce à l'écriture, grâce à la négation et à cette espèce de jubilation que je disais, mais néanmoins, je crois qu'il y a une évolution dans son œuvre, et là encore, cette indifférence euh, malgré tout sur le fil de, de son existence? Elle, elle est quand même devenue de plus en plus forte au fur et à mesure que les années se, que les années se déroulaient. Et vers la fin de sa vie, ça apparaît, je ne dirais pas une forme de sérénité, le mot est peut-être excessif, mais une moindre violence, une moindre anxiété, pour reprendre le terme qu'il utilisait tout à l'heure, que dans les années antérieures ou dans les années de jeunesse, qui sont visiblement le les, plus, les plus déchaînés euh, des... les plus troublés. À quoi vous repérez qu'il était beaucoup plus serein à la fin de sa vie, Michel? George en lisant les cahiers. Hein, en lisant les cahiers, puisque ce sont des textes qui sont évidemment par définition beaucoup plus personnels, puisqu'il les tenait uniquement pour lui-même. Hein. La question d'ailleurs s'est posée de savoir s'il fallait les publier ou ne pas publier. Ce sont des textes privés, et donc il y fait des confidences sur son propre euh, état existentiel qu'il ne fait naturellement pas dans ses textes publics, puisque ces textes publics sont, comme je le disais tout à l'heure, dépersonnalisés. Hein. C'est-à-dire que même il jouait, il tenait euh, là pour le coup, il y avait une posture, il jouait le sceptique comme on l'entendait, un convulsionnaire qui joue au sceptique. Voilà, alors il y a indiscutablement euh, je ne veux pas donner à cette, euh, à cette expression une connotation péjorative, mais il y a une dimension de pause indiscutablement à mon avis dans les textes de Surrand c'est-à-dire que il a beaucoup cultivé cette image euh, cette image de, de négateur, cette image d'homme de, de souffrance, d'homme de douleur, etc. Alors qu'au témoignage de ses contemporains ou de ses c'était quelqu'un dans la vie privée qui était extrêmement drôle et extrêmement agréable à, à, à fréquenter. Vous avez, vous avez soulevé ce point tout à l'heure, Michel Jartier, d'ailleurs, de, de l'assurance que pouvait donner le fait euh, d'être de, de, sceptique. C'est-à-dire qu'on se sent au-dessus, euh, on, on se met à la fois en deçà des, des autres, à côté, on se sépare des autres, car le doute sépare, mais en même temps, en fait, on les surplombe. Oui, alors il y a cette question difficile que vous posez, qui est en quelque sorte plus largement la question de la relation de soi à soi. Et visiblement, c'est quelque chose qui a marqué Sioran. Je pense qu'à l'origine, il y a eu chez lui une très grande ambition, une ambition d'écrivain. Et puis ensuite, euh, il a finalement peu écrit durant toute son existence. Et il y a dans les cahiers toujours des fragments où il... Euh, Condamne en quelque sorte sa propre stérilité, son impuissance à écrire, alors que d'autres réussissent à publier des livres qui ont beaucoup plus de succès. Et puis à un autre moment, il prend le contre-pied de cette position-là et il dit Mais finalement, c'est parce que je suis supérieur à eux, je suis arrivé à une sérénité et une sagesse supérieure qui m'enlève le besoin ou le désir d'écrire. Donc il y a cette, là encore cette, cette ambivalence que l'on trouve pratiquement partout dans son œuvre à tous les sujets. Merci beaucoup, Michel Jarty, d'avoir partagé avec nous votre lecture du scepticisme d'Émile Sioran. Merci à vous. Donc pour vous écouter encore sur ce sujet, on peut aller sur le site de France Culture où l'on y trouve votre conférence sur le scepticisme et le désespoir du diable. C'est une conférence que vous avez tenue à l'ENS et dont on mettra le lien sur la page des nouveaux chemins. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler que pour rappeler pardon et non pas à vous mais aux auditeurs que vous êtes l'auteur de la critique littéraire en France, Histoire et méthode 1800-2000 que l'on trouve aux éditions Armand Collin. Et puis évidemment que vous êtes un spécialiste de Paul Valéry dont vous étiez venu parler à ce Micro. On trouve notamment un texte Paul Valéry donc aux éditions Fayard, ou encore vous avez fait les éditions des œuvres de Paul Valéry en trois, villes, en trois volumes au livre de poche. Et puis, chers auditeurs, vous trouverez aussi les textes de Sioran chez Gallimard en Pléiade, en Quarto et même dans la collection Arcade. Et puis, un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins, Pierre Brossard, Ariane Mins qui a préparé cette émission, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Adèle Vendrette évidemment, Jean-Louis Jacopin à la lecture des textes, Anaël Fakir à la réalisation de cette semaine avec aussi Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui, David Federman. Les Nouveaux Chemins, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain toujours avec Sioran et demain ce sera l'humour noir au programme. Et si d'ici demain vous voulez encore plus de Sioran ou encore plus de nouveaux chemins de la connaissance, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission où vous pourrez la réécouter et la télécharger et puis rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour suivre nos programmes.